1916, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Je suis très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Priez sans cesse avec le sourire. Vous savez, c'est une bénédiction pour nous que notre vie serve au Père Céleste. Vous savez, quand nous respirons chaque matin, c'est une belle occasion pour nous de revenir à ses pieds. C'est pourquoi nous disons, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Parce que celui qui ne prie pas sera pris. Nous sommes là en train de prier le Seigneur pour qu'il nous ravive, pour qu'il nous restaure, pour qu'il restaure nos orientations afin que nous puissions remporter des victoires, en fait, remporter des combats aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis sur le plateau avec plusieurs trésors divins, sans oublier toute l'équipe qui est sur pied. Marie-Suzanne me regarde en face ici. Monsieur Hatzin aussi. Et là, pour vous donner de belles images, Papa Antoine vous fait entendre notre voix. Et à côté de moi sur le plateau se trouve le prophète Nyaloko Emmanuel. Bonjour, prophète. Bonjour, pasteur. Comment vas-tu? Par la grâce de Dieu. Ah bon? Hein? Oui. Ah, je suis très content de t'avoir sur le plateau parce que ça fait un moment. Plaisir que, partagé. Nous ne t'avons pas encore eu. Comment se passe l'œuvre du Seigneur? Par la grâce de Dieu. Le va au rythme du maître et les choses se passent selon la volonté du grand patron, Jésus de Nazareth. Waouh! En plus, il parle bien. Alors, l'œuvre se passe comment? J'aime bien l'expression. Au rythme du maître, oui. Et puis selon la volonté du grand patron. Du grand patron, Jésus de Nazareth. La volonté du grand patron, Jésus de Nazareth. Alors, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec nos frères qui vont nous aider à faire ce culte matinal. Nous sommes avec des chantres, le chantre Joël Dayoro qui est aussi au piano, le chantre Jaurès Lugo, et le chantre Joseph de Lagosi. Nous croyons que nos frères vont nous aider à passer un très bon moment. Nous allons donc prier le Seigneur pour lui dire merci pour sa grâce qui nous a fait d'être présents, d'être là ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire pour cette grâce que tu nous fais d'être dans ta présence, dans ta maison. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu nous as réveillés dans ton amour et tu nous as permis, Seigneur, de bénéficier, Seigneur, de ton souffle de vie. C'est une grâce, c'est une opportunité, Seigneur Jésus. Car c'est dans ton amour que nous avons vu la lueur de ce jour se lever sur nous et bénéficier de cette grâce que tu nous fais d'avoir ce souffle de vie, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré à toi. Soit la gloire, à toi soit l'honneur. Merci Jésus pour cette grâce et cette bonté. Merci Seigneur. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons la vie et c'est une grâce divine pour nous. Comme je le dis chaque matin, ce n'est pas parce que nous avons bien mangé, que nous avons bien dormi, ou nous avons dormi dans un cadre agréable que nous sommes en vie. C'est juste par la grâce de notre Père Céleste que nous sommes en vie. Et vous savez, une dame était souffrante. Nous racontons cette histoire et souvent elle est tellement vite racontée qu'on a l'impression que ça n'a pas comporté beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrances et de douleurs. Elle souffrait depuis 12 ans. Et 12 ans durant, elle n'avait pas de solution, la Bible dit. Elle a dépensé tout son argent auprès de tous les médecins expérimentés de son temps, mais elle n'avait pas de solution. Mais le jour où elle a touché le Seigneur, Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Dieu a restauré sa vie. Alors, avec nos chants aujourd'hui, nous allons chanter une chanson qui nous dit que nous avons touché Jésus. La joie est revenue, la paix, la grâce est revenue. Ce matin, c'est notre souhait pour vous de toucher le Seigneur pour que la grâce du Seigneur vous soit communiquée parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Chantons ensemble avec nos frères. Bana
stabiliser les choses pour vous et nous croyons que votre vie n'aura plus le même sens. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit communiquée. Merci aux chants qui nous ont aidés à chanter cette belle chanson. Nous allons revenir avec le prophète Nyaleko, avec lequel nous allons exhorter le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, il nous demande de nous séparer d'Ismaël pour que notre vie soit meilleure. Prophète, ouais. Les gens attendent. Qu'est-ce qu'on doit entendre dans ce thème? D'accord. Shalom à vous qui nous suivez depuis le bout du monde. Je veux que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ continuent de vous accompagner. C'est un Dieu fidèle. Et cette fidélité nous a toujours accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et comme pourraient le dire les gens de la Bible, les gens de l'histoire, Eben Ezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors nous commençons une nouvelle année et c'est une année comme les autres. Et oui, comme les autres, parce qu'aucune année n'a 13 mois. Toutes les années qui commencent ont 12 mois. Et c'est le même temps qui est défini au cours de l'année. Mais chaque fois que nous sommes en train de démarrer une année, chacun de nous dit, cette année, c'est mon année. Et chacun de nous s'approprie l'année, mais bizarrement, fait les mêmes choses qu'elle a eu l'habitude de faire les années antérieures. Et au soir de chaque année, on se retrouve avec la même situation, la même maladie, le même problème, nos mêmes réalités. Alors, j'ai posé la question au Seigneur de savoir, mais pourquoi c'est comme ça? Et aujourd'hui, l'Église se dit quelque chose. C'est que nous avons le Christ, il est puissant, il est glorieux, il est avec nous, alors on a tout gagné. Mais malheureusement, au soir de notre vie, on se rend compte qu'on a marché avec le Seigneur, ou bien on a fait des choses pendant 10 ans, pendant 20 ans, et puis nous sommes les mêmes personnes. Ce matin, une journée commence pour toi. Et je crois que c'est le bon moment pour que tu prennes une résolution, car il n'aura jamais d'ordre dans la vie d'une personne si elle n'a pas constaté le désordre de sa vie. C'est pourquoi à un moment donné, il faut que tu constates le désordre qu'il y a autour de toi et que tu fasses les choses de la bonne manière. Dans la parole de Dieu, nous avons remarqué que Dieu s'est révélé au Père de la foi. Il est le Père de la foi, celui qui a créé le mouvement appelé la foi, Abraham. Dieu se révèle à lui et il lui dit, je te fais cette promesse, je ferai de toi le père d'une multitude. Et Dieu dit à Abraham, je vais te donner un fils et avec ce fils, tu seras grand. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je sais que Dieu t'a fait une promesse. De la bouche de ses serviteurs ou à toi-même, il s'est révélé, il t'a fait cette promesse. Et le truc, c'est qu'après la promesse de Dieu, tu attends comme
comme Abraham a attendu des années et cette promesse ne vient pas. Certaines personnes en train d'attendre la promesse se disent que le temps passe. Peut-être que c'est un mari que Dieu t'a promis, peut-être que c'est un travail que Dieu t'a promis, peut-être que c'est une entreprise que Dieu t'a promis, c'est une position. Mais comme ça tarde à venir, chacun de nous trouve sa stratégie d'elle-même et prend le raccourci qu'elle ne devait pas prendre pour avoir ce dont elle a besoin. Et c'est la même chose qu'Abraham a fait. Quand il attendait Isaac et que Isaac ne venait pas, il a eu le conseil de sa chair, c'est-à-dire de sa femme, qui va lui dire, mais écoute, moi je ne peux pas te donner ce que tu veux. Donc la réalité de la vie peut te dire que ce que tu attends peut ne pas venir. Et alors tu vas prendre le raccourci qu'il ne faut pas prendre, c'est l'erreur qu'il ne faut jamais commettre dans la vie. Alors Abraham va écouter sa femme et prendre Agar, sa servante, et puis faire Ismaël. Ismaël est ce qui a causé toutes sortes de problèmes à Abraham. Alors, dans la vie de chacun de nous, il y a quelque part un Ismaël qu'on a fait naître de par notre intelligence personnelle. On a fait naître ce Ismaël-là et aujourd'hui, il est un handicap pour nous. On marche, mais Ismaël nous suit de partout. Quand nous lisons la Bible, nous allons comprendre que la révélation qui est rattachée à Ismaël, c'est que c'est un fils à problème parce qu'il n'était pas dans le plan de Dieu pour la croissance de la vie d'Isaac. Donc, si Isaac doit naître, il faut d'abord que tu prennes soin de dégager Ismaël. Et Ismaël, c'est ce que tu as contracté de par toi-même ton intelligence. C'est ce mari dans lequel tu t'es retrouvé, ce foyer dans lequel tu t'es retrouvé. Et ce n'était pas ta place, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais tu as usé des stratégies dans la maison de Dieu pour avoir ça. Ça peut être un travail, ça peut être une structure, ça peut être quelque chose dans lequel toi-même tu allais te mettre sans que ce ne soit Dieu. Simplement parce que tu attendais la bénédiction de Dieu et ça ne venait pas. Donc étant pressé, tu t'es connecté à ces choses. Et malheureusement, cela est en train de te ronger et en train de détruire ta vie et en train de détruire les opportunités de Dieu dans ta vie. Quand Ismaël était là, Isaac n'était pas à l'aise parce que le grand frère Ismaël frappait Isaac et empêchait qu'Isaac soit épanoui parce que c'est lui la promesse. Donc il faut que tu dégages ce que tu as fait venir qui cale la promesse de Dieu qui doit arriver dans ta vie. Dans cette nouvelle année, c'est ce genre de résolution que je veux que tu prennes. C'est pourquoi j'ai intitulé cette exhortation « Retire Ismaël de ta vie » pour que Isaac grandisse en paix et soit à l'aise, pour que cela te fasse beaucoup de bien. Voilà ce que je veux dire au corps de Christ ce matin. Alors, merci beaucoup, prophète. J'ai bien aimé Ismaël, le grand frère Ismaël frappé. C'est vraiment une façon assez naturelle de dépeindre la situation. Alors, aujourd'hui, des gens se demandent encore, comment je vais faire pour me séparer d'Ismaël? C'est vrai, on nous a dit que Ismaël, c'est la mauvaise situation qu'on a faite de notre propre intelligence. Comment on fait pour se séparer d'Ismaël en 30 secondes? Comment on peut faire? La plus grande des manières, ou le plus grand secret que je peux donner à quelqu'un pour se séparer de tout ce qui est charnel et humain dans sa vie, qui bloque la volonté de Dieu ou la vie de l'esprit, c'est d'abord se rapprocher du Seigneur. Se rapprocher du Seigneur, pasteur. Alors, la stratégie est là et voici une bonne occasion qui est donnée ce matin, c'est la prière. D'accord. C'est en étant dans cette prière qu'on peut véritablement comprendre la manière qu'il faut utiliser, la stratégie qui va venir du Père pour sortir du péché ou sortir de cette situation qui est en train de nous détruire depuis bien longtemps. Voilà, en fait, aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons nous séparer des œuvres de la chair, nous devons nous séparer des choses qui nous ont conduit dans la désobéissance et que nous avons fait parce que nous étions pressés d'avoir la promesse de Dieu et nous orienter vers le Seigneur. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu bon qui nous touche et qui nous donne sa grâce. Et aujourd'hui, les chrétiens ont besoin d'entendre beaucoup de choses et surtout ce qui peut les construire leur vie. Et c'est que cette parole va vous construire, va vous donner une orientation particulière. Nous allons et chanter un peu. Nous allons essayer de dire au Seigneur qu'il est bon et son amour est infini. En fait, c'est juste pour dire que dans ton amour, tu ne nous laisseras pas demeurer avec Ismaël. Dans ton amour, tu vas nous aider à nous séparer de la chair. Parce que ce n'est pas facile, mais tu vas nous aider. Chantons ensemble avec nos frères. Bon.
Merci d'être notre Père. Nous croyons que tu es avec nous et nous ne cesserons jamais de dire que tu es bon. Pendant que nos frères étaient en train de chanter, j'ai eu vraiment à cœur compris. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas toi, Réti, Ismaël et ta vie. Ismaël qui représente les œuvres de la chair, les choses que nous sommes précipités pour avoir. Et la pensée qui est venue, c'est que nous devons prier pour des gens. Nous prions d'habitude pour les malades, nous allons prier spécifiquement pour des gens qui sont tombés malades parce qu'ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes sont atteintes de VIH, sont atteintes d'hépatite, sont atteintes de maladies, simplement parce qu'elles n'ont pas pu retenir leur chair. Elles n'ont pas pu faire l'économie du plaisir qu'elles devaient chercher. Et malheureusement, aujourd'hui, elles sont tombées malades. Nous allons laisser le prophète déclarer des paroles de guérison sur votre vie ce matin. Mets la main là où tu as mal. Si tu es atteint de maladie de sang, c'est-à-dire de VIH, de sida, tu vas, je ne sais pas, mais tu mets ta main où tu veux, mais je sais qu'à partir de cette prière, le Seigneur te guérira de cette maladie. Ce virus disparaîtra de ton corps. L'hépatite disparaîtra de ton corps. J'entends cirrhose de foie. Je ne sais pas, mais cette cirrhose disparaîtra de ton corps. Laissons le prophète prier. Père, tu es notre Dieu et tu t'appelles la guérison. C'est toi qui guéris par ta parole. Non, ce matin, les cœurs disposés qui ont reçu cette parole que tu es, apporte dans leur vie, Saint-Esprit de Dieu, la guérison qui émane de ton trône. Je prie, éternel notre Dieu, que tu rentres dans les maisons, les familles qui ont besoin de ton intervention, dans la dimension de guérison. Je proclame, en vertu de l'autorité que tu m'as conférée en qualité de prophète, je proclame la guérison dans la vie de tes enfants qui ont besoin de te voir comme étant le Dieu de la guérison. Là où je suis maintenant, je prie que le Saint-Esprit te guérisse, toi qui reçois ce moment dans ta maison. Pendant que tu as mal, le Saint-Esprit te guérit de cette maladie. Tu es allé à l'hôpital et les médecins ont dit que cette situation était grave, très avancée. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me convainc que c'est pour toi l'opportunité de ta guérison maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, il est le Dieu qui guérit. Pendant que tu remarques la présence d'Ismaël dans ta vie et que tu prends la décision de le retirer, tu remarques la présence de ta désobéissance, les conséquences de ta désobéissance. Je prie que l'Éternel te guérisse. C'est parce que tu demandes sa guérison. Je décrète et déclare cela sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que je sais que ce matin, tu visites tes enfants. Oui, c'est le matin qu'on fait sortir Ismaël de sa vie. Alors ce matin, c'est une plateforme que tu as disposée pour eux, afin de leur donner de se réconcilier avec toi et de se séparer de la vie de la chair pour bénéficier de la guérison que toi tu donnes. Seigneur, renouvelle leur organisme, renouvelle les cellules malades de leur corps. Et là où la médecine avait déclaré impossible, je prie que cela soit possible, car tu es le Dieu de tous les cas impossibles. Merci de te manifester et merci de ce que je vois quelqu'un qui est en train de se réjouir de la visitation du Saint-Esprit dans sa vie et cela lui apporte la guérison de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de le faire. À toi la gloire et à toi l'honneur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes guéris ce matin au nom de Jésus. Tout à l'heure quand le prophète parlait, il a attirer notre attention sur le fait que certains sont dans des foyers qu'ils ont cherché eux-mêmes. Malheureusement, dans nos églises, on a présenté le mariage comme une bénédiction sur terre. Et ce qui pousse les gens à chercher forcément à s'unir avec des gens, même quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, même quand ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Je me souviens, une dame me disait, elle devait s'unir à un frère, elle avait 30 ans, et le Seigneur lui avait dit, c'est pas le temps pour toi. Mais elle a dû écouter les pressions. Elle a dû écouter aussi des prédications. Il lui disait, si à un certain âge, tu n'es pas encore marié. Il n'y a pas d'âge défini dans la Bible pour dire, si à cet âge, tu n'es pas marié, c'est que tu n'es plus de Dieu. Il n'y a pas d'âge. Pour moi, ce n'est pas un bon message qu'on prêche parce que ça met la pression, une pression inutile. Malheureusement, tu as subi cette pression et tu es entré dans un couple aujourd'hui qui te crée des problèmes. Nous ne te dirons pas ce qu'il faut faire. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse te garder, t'orienter et te faire prendre les meilleures décisions à l'avenir. Prions ensemble, Seigneur.
Oh Seigneur, nous pensons que tu es le Dieu. Je veux que tu visites ces foyers qui se sont pressés, Seigneur notre Dieu. Visite-les, Seigneur. De rentrer dans la vie, dans la forme. Éternel notre Dieu, laissant derrière eux, Seigneur, la vie de l'esprit. Je prie que tu interviennes dans ce sens afin de visiter ces maisons-là pour que tu te révèles à ces personnes qui se sont précipitées. Et aujourd'hui, Seigneur, Nous sommes exaucés au nom de Jésus. J'ai vraiment à cœur qu'on prie pour une personne qui s'appelle Marie Solange Kouassi. Nous allons prier que le Seigneur lui donne sa grâce. Marie Solange Kouassi, nous allons prier que le Seigneur illumine ses yeux, que le Seigneur la conduise. Puis ensemble, le Seigneur. Seigneur, nous te présentons Marie Solange Kouassi. Là où elle se tient, nous voulons au nom de Jésus que ta grâce, Seigneur, la rejoigne. Que cette onction que tu as déployée sur ce plateau aille jusqu'à la maison de Marie Solange et intervienne pour déclencher son miracle et apporter, Seigneur, notre Dieu, le secours divin qu'elle attend de toi. Cet esprit, pendant que je prie, ouvre les yeux de Marie Solange Kouassi, fais la volonté. Qui descend sur elle, dit le nom de Dieu, pour cette nouvelle opportunité que tu lui accordes. Donne-lui de voir ta gloire. Elle rencontre une nouvelle opportunité avec toi au nom de Jésus. Merci de le faire. À toi la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Prions pour la journée. Seigneur, merci. Nous te recommandons cette journée. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que ce soit une journée de grâce, une journée de gloire, une journée de puissance, une journée de faveur. Qu'elle bénéficie, Seigneur, notre Dieu, de ta grâce. Qu'elle bénéficie de ta faveur. Que Marie Solange bénéficie, que toutes, Seigneur, ces personnes qui nous ont écoutés bénéficient de ta grâce en cette journée. Que ce soleil levant apporte ta grâce et ta faveur dans la vie de tes enfants. Que ce soleil levant donne à tes enfants de vivre. Vive dans l'abondance, vive dans la gloire. Le reçoit de cette journée, il témoigne de tes bontés, il témoigne de ta faveur, il témoigne de ta grâce, il témoigne de ta fidélité au nom de Jésus. Accompagne-les, ramène-les sains et saufs. Aucun accident, aucun incident, Seigneur notre Dieu, aucune situation compromettante. Tous ceux, Seigneur notre Dieu, que l'ennemi a décidé de les piéger pour les prendre, je prie que par cette prière, ils ne soient pas pris au nom de Jésus. Et je viens, Seigneur, donne gloire à ton nom. Ceux qui sont sur la liste, Seigneur notre Dieu, des envoûtements, la liste des empoisonnements, je détruis cela dans le nom de Jésus. Garde-les, cet esprit de Dieu, et fais voir ta gloire des enfants. Manifeste, Seigneur notre Dieu, ta fidélité dans leur vie au nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que notre journée est remplie de bénédictions divines et que la grâce du Seigneur ne nous fera pas de défaut durant toute cette journée. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on partage la communion divine avec vous, vous voulez simplement nous donner un sujet de prière, que vous voulez qu'on vous écoute. Nous sommes au numéro et adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78. Nous sommes aussi à vitsenakwasi@yahoo.fr. Nous sommes sur les plateformes WhatsApp et YouTube aussi, vous pouvez nous retrouver. Et nous croyons que le Seigneur vous bénira très, très, très certainement. Nous étions avec le prophète Nyaleko Emmanuel qui nous a exhorté sur comment se détacher d'Ismaël, qui veut dire nos décisions personnelles, loin des pensées du Seigneur. Et nos frères qui nous ont aidés à célébrer le Seigneur, le frère Joël Dayoro et le frère Jaurès Lobo et Joseph de Lagosi. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'être venu nous soutenir. Et à chers frères, gardez le sourire et la foi, parce que le Seigneur vous aime plus que vous l'imaginez. Surtout, gardez à côté de votre cœur la parole du Seigneur.
Bonne journée et à bientôt. Shalom. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.